Salut, nous sommes vendredi le 27 septembre. Marc, ou Max Quentin, ou Marc Quentin, 62 ans presque. Et même si hier, ça fait 2 mois là, qu'on m'annonce qu'il me reste 6 mois de vie, puis que j'ai mal partout parce que j'ai une maladie des os, 23 opérations, une main droite refaite, un dos refait, ben, il faut activer les plaquettes rouges, l'endorphine, et tout ça pour tout ce qui est dopamine, pour que le corps aille mieux ici, aille mieux là. Alors, je vais aller faire un peu de bicycle. Et parce que ça faisait 5 ans presque que je ne m'étais pas entraîné, j'ai recommencé, ça fait 6 fois là, 3 fois la semaine passée, 3 et 2 fois cette semaine. Alors, pour un petit gars de 62 ans presque, ben, je vais faire du bicycle. Puis. C'est ça. Alors, Seigneur de bon Dieu. Un peu de courage, un peu de détermination et on y arrive. Allez, tout le monde qui a mal, tout le monde qui a mal, tout le monde qui a mal, tout le monde qui manque de courage. Regardez-moi, j'ai un cancer en soins de fin de vie, un cancer T4 de la prostate. J'ai presque 62 ans et j'ai une maladie des os. J'ai de l'arthrose facétaire dégénérative. Et c'est mon deuxième cancer. Plus, j'ai un dos refait, j'ai une discostomie, L4, L5, j'ai 17 vis dans ma main droite. J'ai une partie de la côte refait. J'ai une mammectomie locale au sein gauche d'un cancer. J'ai toutes les orteils brisés. J'ai une partie de la jambe droite refaite. J'ai été opéré dans la gorge. J'ai été opéré dans le front. Je suis vide depuis 16 ans. 16 ans à l'hôpital de Verdun, l'hôpital Notre-Dame, clinique antidouleur. À tous les 3 mois, je reçois des injections de cortisone dans le bas du dos pour pouvoir marcher. Dans le cou, parce que j'ai 2 sténoses et j'ai un rapport qui dit le C4, C5, C6, C7 atteint sévèrement. Plus, je reçois des injections de kétamine à l'hôpital Verdun à cause que je suis une maladie des os, autre que l'arthrose. J'ai des problèmes facétaires parce que mon dos, ça m'a pris 4 ans de marcher. Ça m'a pris 2 ans à réécrire. Ça fait 6 ans que j'ai arrêté de fumer la cigarette. Je fumais 1,5 paquet par jour. Ça m'a pris 3 fois pour arrêter. 2 fois avec les patchs et 1 fois avec la volonté. Et là, parlant de volonté, même si j'avais mal partout, même quand je marche, je risque de tomber partout. Faut que je me pousse dans mon derrière pour me donner de la volonté. Pour pouvoir dire que si je meurs, ben au moins je vais mourir avec mon courage, je vais mourir avec ma volonté. Puis peu importe après ce qui arrive, ben nous sommes tous des transhumanistes. Nous avons tous plus que la volonté humaine en dedans de nous, parce que nous sommes des êtres en évolution. Nous ne sommes pas des êtres qui doivent rester juste des humains. Et les gens...
En ce moment, avec les cellulaires, on commence à communiquer la cellule R. Alors, tout s'en vient transhumaniste, tout s'en vient IA, intelligence artificielle. Alors, moi, j'ai pas les moyens de me payer des machines pour me contrôler mon corps, pour me dire ce qui va et ce qui va pas. J'ai encore la médecine normale, mais j'ai la force et j'ai le vouloir. Et je vais tout faire pour essayer de me remettre en forme, pour essayer de pas mourir comme un loser, pas mourir comme un perdant, mais mourir comme un winner. Parce que mieux vaut vivre un jour comme un lion que 100 jours comme un mouton. Puis ça, t'as pas besoin d'être un esti de fraîchier. Pour ça, quand tu fais quelque chose, faut que tu le fasses pour toi, pas pour les autres. Quand tu te mets beau, tu te mets pas beau pour les autres. Tu te mets beau pour toi. Quand tu te mets en forme, tu te mets pas en forme pour les autres. Tu te mets en forme pour toi. Il y a 62 ans comme moi presque, et j'ai des mal dans le dos. J'ai des crampes partout. En transpirant, tu libères de la dopamine. Tu libères tout ce qui est in. Puis, après ça, quand t'as un cancer, ça libère aussi tes plaquettes rouges. Parce que c'est ça qui manque dans ton sang. Et en plus de ça, quand tu t'entraînes, ça fait transpirer ton corps. Alors ça enlève toutes les mauvais, les déchets mauvais. Une partie, pas toutes, mais une partie. Parce que la transpiration, ça aide. Faut pas tu transpires trop comme moi. Parce que quand t'as un cancer, tu transpires beaucoup. Le corps cherche à son température de 37-36.5. Puis chaque muscle a des repos. Chaque muscle a une compréhension. Comme un bicep en latin veut dire 2. Ça veut dire triceps 3. Quadribulus, quadriceps 4, etc. C'est 15 secondes de repos pour chaque muscle. Bicep, ça veut dire 30 secondes. Tu fais une série de 10, tu te reposes 30 secondes. Tu fais tes jambes, 4 muscles, iso-jambiers, biceps de cuisse. C'est 45 secondes à une minute de repos quand tu fais tes jambes pour récupérer. Et la protéine, c'est comme une équipe de joueurs de hockey. Le nom de l'équipe, au lieu de s'appeler Canadien, ça s'appelle protéine. Puis t'as 22 joueurs, 18 à la base, mais il y en a 22. Chaque joueur s'appelle des acides aminés, ornithine, carnitine, lysine, etc. Puis chaque acide aminé, ça a un job à faire. Et la créatine, ce qu'elle fait, c'est qu'elle augmente l'oxygène dans tes muscles pour activer la masse musculaire et le découpage. Il faut comprendre. Alors, je vais me taire un peu parce que je suis à bout de souffle. Il ne reste encore. Je fais 15 minutes et après ça, je fais des push-ups, redressement assis et un peu de poids. Mais c'est pas évident quand t'as un cancer et que tous les hôpitaux disent qu'il te reste moins de 6 mois à vivre et que t'as pas de famille pour t'encourager. Ça fait 40 ans que je peux pas parler à mon père, ma mère. J'ai pas de famille, j'ai pas d'amis qui m'encouragent. Y a personne qui m'appelle pour me dire « Max, comment ça va aujourd'hui? » Alors, c'est moi qu'il faut que ça encourage. Alors, let's go mon âme. C'est ça que je me dis. Pousse-toi dans le cul, puis deviens une bonne personne. Parce qu'il y a tellement de mauvaises personnes sur la terre. Parce que s'il n'y avait pas de mauvaises personnes sur la terre, on n'aurait pas autant de guerre. Fait qu'il faut garder du bon côté. Puis avant qu'on se retrouve transhumaniste, ben peut-on rester un petit peu humain pour partager le bon cœur, le don de la foi, le don de la lumière, le don de l'énergie en nous. Oh.
C'est très dur. Ça m'a tué tout seul. Mais je vais y arriver. Je vais y arriver parce que dans ma tête, j'étais un winner. Puis un winner, ça lâche pas. Ça lâche pas. Puis quand ça arrive à la ligne d'arrivée, ça encourage toutes les autres qui sont pas encore arrivés à la ligne d'arrivée pour finir aussi winner. Il faut apprendre à s'encourager. À tous ceux qui manquent de motivation, lève ton cul parce que d'être 86 triards de cellules juste ici, qu'on appelle l'ADN, qui est l'acide désoxynucléique. Ici, c'est un DNA, un désoxynucléique acide. Ici, c'est un RNA, un raboxynucléique acide. Et tout ça, c'est géré par des atomes, c'est géré par des nucléiques. C'est géré par un grand système où ça a pris plus que 4 milliards d'années de nous faire. Alors ayons la reconnaissance. Et va aller chercher votre force en devant, devant vous, parce qu'il n'y a pas un ordinateur plus fort qu'un être humain. Alors fonce, lève-toi et deviens ce que tu veux. Mais fonce, tabarnak, puis arrête de passer pour un esti de loser. Puis pour être un winner, t'as pas besoin d'être dans des gangs de bicycles. J'ai connu ça quand j'étais jeune. Alors, j'avais 23 ans. Et ça a été l'enfer, ma sorcière. Alors, il faut pas. Il faut faire d'autres choses pour se sentir une bonne personne. Pas se sentir une mauvaise personne. Alors, fonce. Puis réalise tes astuces d'arrivée. Réalise. Sois fier de toi. Sois fier, même si t'as pas de parents comme moi, même si rien, t'as tout en dedans de toi pour trouver toutes les forces du monde. Alors, celui qui trouve des excuses, c'est un loser. Celui qui trouve des solutions, c'est un winner. Alors, soyons des winners. Hommes, femmes, enfants, peu importe. Essayons de faire un monde. Meilleur. Je fais 15 minutes de bicycle. Habituellement, tu checkes la RPM. Habituellement, c'est 4 minutes à 80, 4 minutes à 100, 4 minutes à 120. Et les 3 minutes qui restent après ça, tu descends pour régulariser ton corps. Parce que toute ta machine s'est calculée. C'est pas évident quand t'as un cancer, t'as 62 ans, pis t'es toute seule. Mais Chris, je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Ah oui. Un jour à la fois. Une minute à la fois. Mais Chris, dans ma tête, c'est winner. 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 Et let's go. Soyons fiers de nous. Sois fier de toi. Sois fier de tes amis. Sois fier de tes parents. Sois fier de ta sœur, sois fier de ton frère, sois fier de ton chum, sois fier de ta blonde. Puis si on est tous fiers de nous autres, ben on va faire un monde meilleur. Puis on n'a pas besoin de ces coalices de guerre, puis on n'a pas besoin de racisme, puis on n'a pas besoin d'être jugé. On est tous le même monde, c'est la même planète ici. Alors il y a de la place pour tout le monde. C'est une belle planète qu'on a. On devrait y faire attention. Arrête d'avoir de la gratitude. Et la reconnaissance. Ah, c'est pas évident.
un 15 minutes qui pourrait changer ta vie. Fais du bicycle, fais quelque chose avec ton corps. Arrête de le rendre paresseux. Il est là ton miracle de vie. C'est ton corps le miracle de la vie. C'est le seul miracle. J'allume la télé, comme ça, ça me donne une diversité, une concentration pour voir le temps. Ok, là, j'arrête. Oh, fuck. Oh, wow. Ok. Ça, 62 ans, c'est pas évident. Mais je vais y arriver. Ah, ça, quand même. Oh!
C'est pas de... Il venait avec 17 vis dans la main droite faire des push-ups avec un dos discostomé, sténose, le cancer. Asti, j'ai mal. Mais c'est pas grave, après une bonne douche, ça va être beau. Ouais. C'est pas si pire. Pour un gars qui va mourir d'ici 6 mois, c'est ce qu'on me dit. Hey, j'ai tous les papiers médicaux. Et 62 ans, pas pire. Je vais y arriver. Encore 2 autres séries. Salut, oh, je suis au bout de là.